Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ces saletés d'orques sont futés. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titans. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, sergent. On perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement. Oui, capitaine. La Thunderbolt lance de jour retourne à la baie. C'est là votre plan. On doit atteindre la surface pour détruire le canon. À moins que vous ne vouliez rentrer, sergent. Pas avant d'avoir réglé nos comptes avec les orques. Vous êtes sûr, capitaine? Le codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre.
Space Marine! Tu vas crever! Capitaine Titus, répondez! Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Que l'empereur soit avec vous, Space Marine. Par ici, boys. Space Marine, on est venu chercher Space Marine.
Salomon. Détruisez-les! Vous êtes blessé. Le Codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le Codex de façon si stricte? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Leandros. Sidonus a capté des communications locales de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. Continuez à tirer! Continuez! Tuez tout ce qui vient dans ce bunker! Seigneur, vous nous avez sauvés. Debout, garde. Vous vous êtes sauvés vous-même.
Vous croyez mort? Sans le lieutenant, nous le serions, monseigneur. Où peut-on trouver ce lieutenant? En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonus, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Par ici, messeigneurs. Allez au niveau supérieur et traversez la place. Le bunker est plus loin. Remarquable. Quelques centaines contre un million d'orques. Et ils résistent. Quoi ? Non ! Lâchez-moi ! Mes jambes ! Je sens plus mes jambes ! J'ai vu un Space Marine avant de mourir. Empereur Dieu, protégez ceux qui se battent en votre nom. Capitaine, je suis en position près d'un monument en ruine et des rangs de la garde. Les quotas doivent être atteints. Malgré les incursions coupées, la délinquance est un arbre de vieux machines. Sergent. Je vois que vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. Il semblerait bien que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. J'ai peut-être rencontré cet orque lors du saut vers la surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu. Si la Horde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il la contrôle encore. Jamais.
Où est votre commandant? À l'intérieur, mais c'est verrouillé. Je pense qu'ils vont nous laisser passer. Garde impériale, nous sommes des Ultramarines. Ouvrez la porte. Des Space Marines. Des nouvelles des éclaireurs. Une autre horde de peaux vertes va bientôt arriver du sud. Un maudit Grey Chin a tranché la gorge de Saul il y a deux jours. Renforcez leur position. Tenez la ligne. Restez en vie. Oui, lieutenant. Loué soit l'empereur. Second lieutenant Mira, du 203e régiment cadien. Capitaine Titus, des Ultramarines. C'est vous qui commandez? Il n'y a plus que moi, monseigneur. À moins que mes commandants ne reviennent d'outre-tombe. Pour l'instant, ils semblent préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils? Deux. Bon sang, j'en ai envoyé 10. Ce satané canon. On n'est pas assez nombreux pour lancer un assaut. Et comme vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos vaisseaux de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Laissez-nous le canon. Alors suivez-moi. Je ferai mieux de vous avertir. On a un petit problème avec les orques ici. C'est tous qui sortent. Voilà une autre vague. Scanner génétique terminé. Adeptus Astartes. Accès autorisé. Que savez-vous des titans de cette planète? Seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jakis. Mais c'était il y a 2 semaines, et nous avons perdu tout contact. Nous devons atteindre ce titan. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe Oda. Il mène directement aux portes ouest. Trouvez-moi le manuel! Coincé sur ce maudit monde fort, j'ai pas un seul technogure en vue. Crozer! Crozer!
munitions utilisées. Les orques tiennent les tranchées par-delà les ruines et les remparts plus loin encore. Parlez-nous du canon. Les orques s'en sont emparés quand on est arrivé ici, il y a bientôt 2 semaines. Notre unité est la seule à avoir pu emporter. C'est par là que les orques ont pu accéder au canon. On n'a pas été en mesure de franchir le mur. On n'est pas assez nombreux pour ça. Vous avez survécu tout ce temps seul, lieutenant. C'est honorable. Mais vous n'êtes plus seul. Nous allons reprendre le canon. Vous aurez droit à vos renforts. Je compte sur vous, capitaine Titus. Des orques, là-haut. Space Marines!
Une fois ces remparts franchis, nous utiliserons la brèche percée par la roquette pour entrer dans la forteresse. Occupez-vous du haut, capitaine. On se charge des orques en bas.
est infesté d'orques. Nettoyer cet endroit prendra des jours. Ces gardes ne pourront pas survivre aussi longtemps. Il faut à tout prix trouver un moyen de détruire le canon. Base Marine identifiée. Accès au canon. Ça va forcément nous être utile. Regardez, capitaine. Des charges à fusion. Il suffit de placer ces engins pour anéantir toute la forteresse. On pourrait poser la charge sur un des obus du canon. Leandros, vous faites la fierté du chapitre. Désactivé. Nous donnerons le dieu machine en dépassant les quotas. Accès limité au pont supérieur. Thank you.
Ici, capitaine. Il faut mettre l'obus dans ce chargeur. Voilà. Je vais poser la charge sur cet obus. Maintenant, mettre l'obus en place. Comptez sur la chance, Sidonus. Il faut suivre cet obus et veiller à ce qu'il atteigne sa destination. Ok. On retourne à l'ascenseur. Attention. Ce n'est pas un exercice.
Alors il faut les remettre. Léandros, mettez l'obus dans ce chargeur. Je vous couvre. Situation, lieutenant. Nous regroupons nos blessés et avançons vers le bloc d'habitation Andris pour établir un avant-poste. Sans canon, notre vaisseau de soutien va pouvoir s'y poser. Très bien. Mes frères d'armes et moi devons nous emparer de tous les titans opérationnels avant que les orques essayent de les récupérer. Bonne chance.